de telle sorte que cocher n'a pas besoin à cette immunité supposée que vous gagnez à la réponse question des enquêteurs de l'unité de contrôle. C'est à dépouiller de cette immunité, de cette protection spéciale, et c'est le président en exercice du conseil, moi pensé t'aider, c'est ça. De toute manière, que si j'ai volontairement décidé de comparaître, eh bien, question immunité a tombé, parce que l'immunité a, moun qui bénéficie là, ça a renoncé à lui. Donc, le fait de le faire paraître devant l'ULCCA, ça veut dire que au même coup, ils n'ont pas revendiqué l'immunité, ils n'ont pas réclamé au coup de protection ça, ils ont choisi de présenter comme de simples citoyens, comme des citoyens ordinaires, pour la procédure, et à ce moment-là, ils ne vont pas faire pas encore, ils ont obligé de continuer à suivre, procédure à suivre, comme des simples citoyens ordinaires, j'ai eux-mêmes de choisir celle-là. Mais pour eux-mêmes, au monde qui n'a niveau ça dans le fonctionnement de l'État, il faut que nos autorités qui sont intervenues, qui sont pour dépouiller de l'immunité avant que vous répondiez à la question de l'ULCC. Il faut que ça me comprenne. Mais compte tenu de. Et Jean et conseil la présidentielle l'a présenté, président CPA, est-ce que lui-même était capable de prendre une décision pareille dans la mesure où il y a Wally comme un simple coordonnateur? Bon, attendez, pas n'y a aucune formule qu'on t'apprend qui tape 100% juridique, comprenez bien, parce que le conseil là en lui-même, il n'est pas un bagage constitutionnel, il n'est pas un bagage légal. Mais, je dis où, le fait que lui-même lui joue un rôle comme coordonnateur, il dirige le conseil, il préside le conseil, il dispose de pouvoirs supérieurs pour le temps que dure sa fonction. Et ce pouvoir supérieur, il a garanti et lui, qui a garanti le respect des engagements internationaux pris par Haïti. Et il y a un engagement, ça, c'est la Convention des Nations Unies contre la corruption qui dit pas qu'il doit être des obstacles contre les enquêtes pour la lutte contre la corruption. Il s'est constaté ça, il s'est constaté que des conseillers qui est plus, en tout cas, qui dénonçait dans les cas de corruption, pour respecter les engagements internationaux d'Haïti, en sa qualité de président du Conseil de Constitution, eh bien, il décide de lever l'obstacle-là, qui est capable d'empêcher le conseiller Essayo, présenté par devant les autorités judiciaires et administratives, de lutte contre la corruption pour garantir le respect des engagements internationaux d'Haïti pendant le temps que la présidée conseil. Moi, je crois que c'est le droit de ça moi-même. OK. On imaginait que le fait ça, ça t'avait dit que les trois membres qui indexaient, qui soupçonnaient de corruption, ils mettaient à l'écart, en quelque sorte. Oui, suspendu de leur fonction. Okay. Suspendu, mettez à l'écart. Il n'y a pas d'autorité pour le révoquer, mais il y a autorité pour le suspendre pour le temps de l'enquête, pour eux-mêmes. Suspendant, tu avais dit qu'ils n'ont pas capable de participer à aucune activité publique, officielle. Aucune activité du conseil, aucune activité du public. Ils ont continué à recevoir ça, oui, mais ils n'ont pas là pour participer, pour représenter l'État dans aucune activité tant que Dieu l'enquête. Par exemple, si, par exemple, nous avons fait, c'est un conseiller ça, on a appelé à présider le conseil. Si on a supposé empêcher d'accéder à la dignité de cette fonction.
Parce qu'on n'est pas capable de sous-entendre pour corruption et pour le président du conseil. Et bien, son président en exercice conseil là, c'est qu'il peut résoudre le problème ça à la force pour qu'on puisse prise par le pays là, le ribon au peuple. Vous comprenez? Il fallait agir. Le président du conseil aurait dû agir à mon ébat. Je pense que tu as ajouté si l'enquête-là n'est pas conclue. Est-ce que ça veut dire que ouais, d'ici octobre, l'enquête-là est obligée de continuer? Bon, d'après ce qu'elle a abouti, même pas expérience, mais c'est une fois qu'elle va bien abouti. Expliquez publiquement pour qui ça, là, l'ICA n'a pas abouti. Pour qui ça? Laissez-moi vous dire, par exemple. Nous avons une série de formules archaïques dans le cadre de rien à fonctionner dans le pays. Non, pas que je dis ça tout le temps, qu'il y a un article de l'ISIC, il y a des vidéos, la compréhension et du rôle, la construction du travail. Vous comprenez? Nous manquons, par qui ça nous rigide dans le pays? Nous avons des principes de bail nouveau que nous avons fait et puis nous n'avons pas établi les modalités de fonctionnement. Pour qu'arriver dans l'ULCC, pour accompagner le monde et puis pour faire une réunion qui dure 6 heures de temps. Alors, cette même réunion, ça, si nous organisons l'autre, ça va faire pendant 6 heures de temps. Donc, Jean, il a cherché à organiser à lui-même, par exemple. Si vous prenez leur fonctionnement collégial, vous gagnez, par exemple, une commission qui a fait l'enquête. D'abord, tout le monde, par exemple, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui a un fonctionnement collégial. Mais là, il y a un monde. Je prévois des activités collège la cadésie au monde pour mener activités et qui se rapport avec le collège là. Règlement dit ça. Mais là, pour ceux qui agent du LCC, ils ont tout à poser des questions. Des fois les mêmes questions, des fois les questions, vous pouvez côté enveloppé. Et puis, vous avez des auditions qui durent à ne plus finir à l'ULCC. Et tout pareil, ça, je réduisais à la main nos cahiers, nos registres, côté toutes questions écrites, toutes réponses écrites. Donc, les auditions durent indéfiniment à l'ULCC. Et c'est un problème dans le fonctionnement de l'ULCC à lui-même. Donc, lorsqu'il prend tout ça, ou bien d'actylographier tout procès verbal, ça, parce qu'il faut envoyer tout procès verbal, comme c'est le gouvernement, au cas où enquête là, ou voulez poursuivre, ou pas classer le sans suite. Donc, l'UNPC, dans son fonctionnement, dans sa jeunesse, eh bien, lui perd du temps en pile que le déca gagné, que le pas gagné, la cadre enquête et la peine. Ça t'a étonné moi-même, puis on t'a quitté à bout d'enquête comme ça, avant le mois d'octobre. Ok. Mais ça ne dépend pas de moun y attendre à tout. Si j'ai pas sûr. Ça dépend de. Non. D'abord, de yo. Moun y attendre à dans une certaine mesure, s'il est très abondant dans l'action, etc. Même moun ne va pas obligé, notamment, à écrire son registre toutes les déclarations que moun y attendre à faire. Mais c'est ce qu'on fait à l'ULCC. C'est ça. Il n'y a pas de règlement d'organisation de l'enquête. Vous comprenez? Donc, ils sont jeunes qui sont liés. C'est avec le temps. D'autant qu'il y a des préjugés, il y a des complexes. Vous comprenez? Ça veut dire que l'envie devant eux. Pour eux-mêmes, ils sont matadors superbes. Ils ont eux-mêmes leur aide. Vous comprenez? Pour améliorer la façon de fonctionner. Yo, comme si vous voulez vous marcher sous plate-bande. Yo, vous voulez prendre un conseil. Non, mais moun, yo, c'est des matadors faibles, quand même. Mais surtout, ce conseil-là, il vient de l'avocat qui accompagne les clients. Oui,
bon, oui, mais avocat, avocat. Oui, mais avocat, son avocat, son auxiliaire, son lumière, avocat. Là, les gars, ils ont bagaille. Même si on a préjugé. Mais si on a la logique. Même si on a personne qui a dit, vous ne pouvez pas prendre. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre, vous comprenez? Donc, ça veut dire que mon avocat vient devant, là, je l'accompagne au client. Et puis, je m'accompagne au client de mon fondateur. Et puis, le fonctionnement, pareil, mais, je prends la parole, m'explique la question, m'explique le rôle, m'explique ça pour le faire, m'accompagne. Le bail est fini, dès qu'il a prévu de réunion. Si elle dit, mon cher, moi, son avocat qui est plus au service de l'État que de son client, je dis ça de mon client, non. Parce que je n'ai pas intérêt à moi, si je suis avocat, l'entrée de ton dossier, comme être crédible à la fin du dossier. C'est-à-dire que samedi, notre traitement dossier à Jodia, comme qu'a dit le demain, comme qu'a dit l'après-demain, on ne peut pas venir bah, mentir au client, on ne peut pas le faire de rouler à loi. T'as une rétention de vérité, oui. Mais si on va là, c'est vérité. Bon, c'est pardon, mais il va tout avocat, non? Comprenez. Non, je ne vais pas parler de tout avocat, je ne vais pas parler de moi. Qui sont avocats qui attachés à la vérité. Bon, et vous dites que, ou pas croire que l'enquête là, l'Afghanistan abouti d'ici octobre, parce que c'est en octobre, vous croyez que Smith Augustin, qui est un conseiller qui est englué dans la question ça, et qui, en principe, doit remplacer l'actuel président ou coordonnateur du conseil présidentiel de transition. Et là, si l'ULCC décidait que des poursuites, et bah, la parle devant et parquet commissaire gouvernement et qui peut décider une décision par lui par point et beaucoup clair non sous tant que ça capte. Eh bien non dans les deux sens madame Boudon. Si il y a les choses pour décider comme on cavale qu'on est qui sous enquête qui soumette lui à une procédure d'enquête parce qu'elle répond qu'ils sont soumettre à une procédure. Vous avez dit, pour qu'on finisse, et puis vous mettez le président. Vous mettez le président du conseil, comment on fait ça? C'est-à-dire, que l'enquête-là finit, qu'elle va finir en octobre, ou pas arrêter, comme nous l'avons dit, nous faisons ça aujourd'hui, nous faisons tout le bagage. Et bien, comment, logiquement, en octobre, vous avez décidé de mettre le président du conseil, que l'enquête-là finit, ou bien qu'elle finit, qu'elle t'a ordonné. Sauf que l'enquête-là finit, le favor à Bali. Ça c'est autre chose. Si l'enquête là aboutit, l'enquête là dit ça, on reproche la pas fait vrai, pas de problème pour une président. Mais si l'enquête là pour qu'on finisse, ou bien si l'enquête là aboutit, demandez poursuivre contre lui, comment voulez-vous l'accéder à la plus haute fonction du conseil? C'est ça que moi je dis moi-même, diriger ce prévoir pour éviter problème ça en octobre, à la place de garder le blanc moi-même d'un président du conseil. D'après arrêter, me suspendre, toi, monsieur Sayo. Déclare, pour tout le monde, déclare depuis aujourd'hui, tout ça qui arrive en octobre. Mais, comme après tout, sous-bas, pas de gros problème, parce que, ils ont été d'accord, oui, sous Jean pour décision, ils ont pris, en dedans, et conseil présidentiel là. Non, attendez, madame Bonhomme. Ou nos situations, côté ou pas gagné, provision légale pour lui. Par une provision que prévoit si on est dans le conseil là, impliqué, non crime, non infraction, quelle est la procédure? Tu vois, c'est quoi le conseil là? Supposons que conseil là bat de rien quoi. Et là t'as mal. Oh.
problème. Mais tout ça même a dit ça. Non, communication était coupée net là pendant quelques bonnes secondes. Reprenne pour nous. Et supposons que conseil là t'a. Est-ce que n'a pas nous parler reler mais tout ça même a distance pas consulter nous mais c'est blackout et total et bon côté et pas aucun son et donc